Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 février 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc que vous connaissez maintenant, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. On va prendre deux messages. Alors, premier message. Alors, c'est la boussole. Et nous avons le ciel. Alors, allons-y. Le don, la boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance en ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc, on vous dit que vous allez être guidé dans vos choix pour avancer en toute confiance. Nous avons le ciel, ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergeant pour te connecter à ta force créatrice. C'est marrant, j'avais en dos la création, si je ne me trompe pas, la créativité. Créativité, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc voilà pour vous les poissons. Donc on parle d'un don que vous avez, d'un don, hein, et on parle de créativité. Hein. Donc la voix, le dessin, l'écriture, ça peut être autre chose également là. Hein. Donc voilà, alors on va prendre deux messages du petit oracle des âmes amoureuses. Donc premier message, nous avons un grand oui. Alors, allons-y. Et nous avons... J'ai des personnes qui sont en aidées et... Pardon, aidées, hein. Je vais prendre les quatre là, elles sont venues, donc je vais prendre. Vous êtes aidés, et pour moi c'est par les anges, par votre foi, votre. Donc vous voyez par rapport à vos croyances, mais on vous dit que vous êtes aidés. Donc on a un grand oui. Alors, votre autre, hein, c'est votre autre qui peut vous dire ça, ou à moins que c'est vous hein, également. Je dis oui à un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. J'ai un grand oui là pour vous. Par rapport à la créativité, par rapport à un don que vous avez, peut-être que vous doutez de ce don et on vous dit non, c'est un grand oui. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est marrant, on a cette notion de boussole qui revient. On vous dit que pourtant... Alors, pour guider tes choix et avancer, fais confiance en ton intuition. En fait, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Connectez-vous à votre âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise, on vous dit. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. On peut parler là d'être aidée dans votre relation avec votre don. De mieux comprendre, d'avoir moins peur. D'avancer, donc vraiment vers ce don. Et nous avons envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a envie de vous voir et peut-être que cette personne a un don également, on vous dit. Un don, elle va écouter son intuition et elle va peut-être utiliser, voilà, elle va utiliser son côté artistique pour vous le faire savoir, j'entends également. Donc, on va continuer avec la magie, le tarot de la magie verte de Anne Moura.
On va faire un tableau en neuf. Oh oui, j'ai des... Moi, je sens que quelqu'un cherche à créer... comment dire? J'ai une personne qui réfléchit comment entreprendre un commencement avec vous. Comment rentrer en communication avec vous. Et j'ai l'impression qu'elle veut quelque chose d'assez original pour rentrer en communication avec vous. Elle veut utiliser un don, un créatif, hein, pour justement attirer votre... votre, comment dire, votre regard, votre, votre attention. Oh ouais, on a le... Alors, on peut avoir le signe du bélier aussi, hein, et également, on me parle du printemps. On parle de détermination, là. Détermination de... Ouais, au beau jour, là, ça arrive. Alors... Oh oui, ça arrive, hein. J'ai quelqu'un qui arrive. J'ai encore cette notion venir à votre conquête. Hein. Se déplacer vers vous. On a toujours ce signe bélier. Ça vous parle. On a les signes gémeaux, sagittaire également. Oh. Oui, bon, bah, j'ai quelqu'un qui veut rentrer en communication avec vous, mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle angoisse. Elle angoisse. Elle se demande peut-être si elle a la hauteur de vous, si vous... Ouais, on va aller voir un petit peu plus loin, là. Elle se pose des questions quand même. Elle angoisse. Oh, on a la force encore. Le lion. Ouais, elle se demande comment vous allez accueillir peut-être sa déclaration, son message. Hein, si vous allez lui répondre. Hein. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. Oh, on a les messages, là. On a les messages. Moi, j'ai une impératrice là qui a eu le cœur brisé. C'est comme si une personne qui veut attirer votre votre attention, mais elle sait que vous avez été... C'est pour ça, elle se demande comment vous allez accueillir son message. J'ai le triomphe pourtant. Et c'est quelqu'un du passé qui revient. Elle réalise un souhait parce qu'elle est énormément dans le manque. Ouais, j'ai une personne qui est énormément dans le manque. Qui est nostalgique aussi, hein, qui relie d'anciennes lettres ou d'anciens messages. J'ai une personne très nostalgique. Et elle sait que vous vous protégez. Oh. J'ai le grand bonheur là. Cette personne, elle sait que vous vous protégez. Ou vous savez que... Ouais, c'est elle qui sait que vous vous protégez. Et c'est une personne du passé qui revient. Alors, tirage en neuf. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Ok. Pour moi, j'ai un triomphe, j'ai un succès par rapport au passé, par rapport aux souvenirs. Hein. J'ai une personne qui est beaucoup dans les souvenirs, là. Alors, c'est votre autre qui est beaucoup dans les souvenirs. Hein.
Alors, allons-y. Ouais, on parle bien de votre autre, hein, qui est dans les souvenirs. Donc, si vous êtes une femme, on parle d'un homme. Sinon, peut-être que c'est vous l'homme, hein, qui êtes beaucoup dans les souvenirs. Vous voyez par rapport à votre situation et puis, voilà, vous adaptez à votre situation. Donc, en tout cas, on a cet homme qui est déterminé à revenir, hein, qui va prendre son courage à deux mains, j'entends, hein. On a le signe du Sagittaire encore. Oh oui, parce que cette personne, elle veut se réconcilier avec une reine de bâton. J'ai comme l'impression qu'il sait qu'il va avoir un retour de bâton, ce monsieur. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais en tout cas, il sait que il s'est passé un truc et il va falloir que, sans doute qu'il en paye peut-être en retour. Mais également, il sait que vous êtes généreux ou généreuse, hein. Ouais, il y a un truc, hein. Ouais. Cette personne, elle veut une nouvelle histoire avec vous. Valet de coupe. Ouais, cette personne, elle pense à vous. C'est peut-être un premier amour. Elle est en train de réfléchir, cette personne, hein. Elle réfléchit. Un nouveau départ. Elle a fait un travail sur soi. Elle a fait un travail aussi par rapport à son entourage. Ouais, mais c'est que... Ouais, vous allez être en mode tout de même protection. Hein. Pour moi, vous allez revenir sur une trahison. Sur une tromperie. 7 d'épée. Trahison, tromperie, vol. On parle de remise en question. Peut-être qu'on parle de remise en question là également. On va voir ce qui ressort dessus. Oh. Eh bien, pour moi, votre hôte, il remet en question un groupe avec qui il y a eu des conflits. Plusieurs personnes, j'entends plusieurs personnes. Il y a eu des conflits. Et on parle de réconciliation avec cette personne. Elle angoisse. Il angoisse, hein, cet autre. Il n'a pas bien, il a peur, mais il a espoir, eh ben, de vous retrouver, j'entends. Qu'il y ait un pardon, que vous lui pardonniez. Ouais, cette reine de bâton avec ce 8 de bâton. J'entends qu'elle est en train de mettre de l'ordre. Ouais, elle est en train de mettre de l'ordre. Il y a peut-être des changements rapides dans votre vie aussi. Il y a peut-être des opportunités qui se présentent. On parle d'avoir peut-être un nouveau coup de foudre pour cette personne. Je vais aller voir un petit peu la force. On pense beaucoup. On est créatif, hein. On veut créer quelque chose, hein. On réfléchit beaucoup. On parle de succès qui arrive avec le temps. Et oui, on met de l'ordre, on relit des messages, hein. Je sens qu'on relit des messages ou on relit des lettres qui ont été écrites, hein, dans le passé. Et pour moi, là, il y a une libération par rapport à un entourage qui n'a pas été sympa. Hein. Se libérer de cet entourage de plusieurs personnes. On parle de plusieurs personnes. Ça va permettre de vous réconcilier. Ouais, cette personne, elle regrette. Elle regrette, hein, d'avoir écouté un entourage. Et elle veut vraiment revenir vers vous. Hein. Mais elle sait que vous allez être prudent. Ouais, elle revient et puis on parle d'exprimer, hein, son souhait d'être avec vous, hein. Ouais.
Elle veut être avec vous. Elle veut vivre des changements et le grand amour avec vous. Alors, on va aller voir un petit peu ce 7 de baguette. Hein. Donc, quelqu'un qui se protège. Et j'ai ce chevalier de baguette. Hein. Il y a quand même un désir de se rencontrer, de se voir. Hein, pour parler d'un engagement. Pour moi, cette personne, elle va vous exprimer vraiment ce désir de s'engager avec vous. On est méfiant quand même. Ouais, on est méfiant. On se demande s'il n'y a pas des choses encore cachées. Mais pour moi, ça va être révélé. Hein. On va beaucoup discuter. On va être beaucoup dans l'échange. Et c'est ce qui va permettre vraiment, hein, avec ce 9 de denier, d'être dans la réussite, hein, de retrouver son bien-être, sa richesse ensemble. Hein, parce qu'on va beaucoup communiquer. Et c'est comme ça qu'on reprend la confiance chez l'un et l'autre également. C'est vraiment dans la communication. Moi, j'ai quelqu'un qui veut retrouver ce bonheur. Ouais. C'est lourd. Hein. C'est lourd et cette personne veut se lancer pour un 10 de coupe avec vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait des personnes, hein, qui le retenaient. C'était très, très lourd pour cette personne de revenir, hein, vers ce bonheur qui est vous. Hein. Il y a eu des conflits. Hein. Votre autre a eu besoin de recul. De recul justement pour prendre une décision. Pour y voir plus clair. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là avec cet entourage, mais en tout cas, c'est l'entourage qui vous a séparé pour moi. On va construire ensemble. Et il y a une belle réussite entre vous. Ouais, il y a une transformation. On a beaucoup d'amour à venir. On a ce désir. On a ce désir de faire sa déclaration, de dire ce qu'on a sur le cœur, de dire combien on est triste, combien on se sent seul. J'ai vraiment quelqu'un qui s'est senti perdu et qui veut le grand amour avec vous. J'ai quelqu'un qui vient avec vous, hein, qui ne veut pas rater cette occasion, hein, de débuter, hein, en tout cas un travail. Avec vous pour justement, hein, pour guérir, hein, des souffrances qui vous a infligées là. J'ai quelqu'un qui vous a infligé, voilà, une blessure, hein, de cœur. Hein. Ouais, il y a du changement. Cette personne, elle vient. Et on est toujours dans les souvenirs. Vous manquez à cette personne. Et elle veut un renouveau avec vous, cette personne du passé. Elle veut un renouveau avec vous, cette personne du passé. J'ai le signe taureau. Donc, j'ai dit gémeaux aussi, vierge, bélier. J'ai dit vierge, scorpion, capricorne, lion. Donc, j'ai vraiment là une personne du passé qui règle des problèmes, là, hein, des conflits avec des personnes, hein, autour d'elle. Et elle revient avec vous. Mais je sais pas, peut-être que c'est une personne qui va vous envoyer une chanson. Elle va être créative. Elle veut vous envoyer quelque chose. Elle veut que ça vous touche au fond du cœur. Parce que elle sait qu'il faut vous toucher, en fait, hein, pour pouvoir réussir ce retour. Hein, parce qu'elle vous a blessé. Alors, on va prendre le secret de notre amour de Litana de vous à moi. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Hein, avec l'oracle en plus. Et pour moi, j'ai le printemps. Hein.
J'ai une personne qui a travaillé à faire évoluer une situation. Pour moi, c'est une situation de silence. Elle y travaille. Il y a un silence entre vous, hein. Ouais. Et on parle d'immaturité. Ouais. On parle de croqueur de pommes. Personne qui était immature, qui a fait un gros travail, qui a énormément évolué, qui a grandi. Et cette personne vous dit, c'est toi la clé. Ouais, c'est toi qui as la clé, hein, par rapport à cette séparation et ce divorce. Parce que certains d'entre vous, peut-être que ça a été jusqu'au divorce. On a le drapeau orange par rapport au passé. Moi, j'ai l'impression que vous aviez averti cette personne, hein, par rapport à un entourage. Et l'ennui, ça l'a mis en conflit. Parce que du coup, c'est comme s'il s'était méfié de vous finalement. Puis je sais pas, vous aviez peut-être l'impression de voir un croqueur de pommes là. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui ressort? À un moment, il n'y avait plus d'issue parce qu'il y avait trop de doutes, trop de questions par rapport à votre relation. Votre hôte avait besoin de vraiment grandir. Moi, j'ai l'impression que il y a eu la trahison quand même qui est sortie, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité et qui est allé voir, voilà, qui a été. Alors, vous ne le savez pas, il a gardé ça sous silence. On parle de secret quand même là, hein, de garder, de ne rien dire. Hein. Il y a quelqu'un qui était dans l'ombre. Il est dans l'ombre. C'est votre hôte là pour l'instant qui est dans l'ombre. Hein. Il vous observe, mais il ne dit rien. Pour moi, c'est la tentation d'aller voir ailleurs, d'être tenté par une autre ou un autre. Il vient en tourisme. Moi, j'ai quelqu'un qui est parti en vacances. Ah, peut-être que cette personne elle a un plan d'action hein, et elle parle de voyage hein, pour vous reconquérir, hein, pour un engagement. Et on vous dit bien que votre ange vous envoie un signe. Votre hôte, il a pris peur. Hein. Il a pris peur hein, et il a préféré vous fuir hein, plutôt que vivre cet amour avec vous. Hein. Alors. On parle bien de silence. On parle bien de silence radio. On vous dit bien que cet autre vous observe sur les réseaux en silence. Il ne dit rien, vous ne voyez rien. Et il est prisonnier, votre autre, du passé. Et là, il est prisonnier, mais il veut sortir hein, de cette spirale. Et on vous dit bien que vous êtes protégé. Hein. Et tourne en rond votre autre. Il tourne en rond, mais il va arriver. Il cherche une solution. Il cherche un moyen de rentrer à nouveau en communication avec vous. On parle de couple. De rentrée d'argent. Et il est prisonnier de ses peurs, votre autre. Et il souhaite vraiment une réconciliation avec vous. Il souhaite une réconciliation avec vous, hein. Il veut vieillir à vos côtés. Chez le couple là et la rentrée d'argent.
Alors, il vient vers vous, même s'il a peur, hein, bien sûr, il cherche une solution de reprendre contact avec vous, cet autre. C'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, il désire vraiment, il vous désire vraiment, il désire surtout vous envoyer des nouvelles. Il y a quelqu'un qui observe, hein, et qui dit de la méchanceté. Hein. Et votre autre est quand même mal sans vous. Hein. Il veut s'engager à nouveau avec vous, il veut vous retrouver. Hein. Mais il y a de la méchanceté là, hein, autour de vous. Hein. Il y a une personne qui ne veut pas vous voir ensemble, hein, qui est très très jalouse de vous, hein, cette personne. Hein. Ouais. On parle de mise au point qui va avoir lieu. On a le surmenage et le pétage de plomb quand même. Hein. Pour moi, c'est celle qui observe, qui surveille, hein, qui va péter un plomb parce que elle va se rendre compte, hein, eh ben, qu'il est vraiment amoureux de vous, hein, votre autre. Hein. On parle d'amour, hein. Jusqu'à présent, elle avait dû réussir à le garder en distance, votre autre, cette personne. Hein. Et là, ça ne marche plus. Hein. Ouais. Elle essaie peut-être même, hein, de le tenter, hein, mais ce n'est pas possible parce que lui, il a retrouvé sa stabilité. Hein. Il s'est ancré aussi, hein, il l'a retrouvé. Hein, et il y a un grand oui encore dans le futur. Hein. Alors, on a les mensonges, hein. Ils ne peuvent pas vous dire toute la vérité sur votre rupture. Ouais. Il ne va pas vouloir tout vous dire, votre autre. Alors. Ouais. Il y a la maturité par rapport au passé. Il était sûrement... Oh, et votre autre, là, il vient, il vous donne son cœur. J'ai l'impression que... oui, ça y est, ça a mûri en lui aussi. Hein. Donc, et il va venir vous donner son cœur. Hein. Mais j'ai une tierce là qui est très, très néfaste. Hein. Mais lui, il a retrouvé voilà, un équilibre, j'entends. Il ne va plus se laisser tenter par cette personne. Mais il ne va pas vouloir vous dire la vérité. Voilà, il veut revenir vers vous, mais il ne veut pas que vous sachiez, hein, certaines choses. Hein. Je vais prendre le tarot atmique, donc de Madison KR. On va aller chercher quelques autres messages supplémentaires. En sachant que c'est déjà bien complet là. Je vais juste prendre trois lames. Oh, oui, votre autre prend l'initiative. Hein. Après une rupture, hein, de revenir à vous. Hein. Il y a sans doute un certain temps qui est passé. Et là, j'ai envie de dire, il se fait le cadeau de cette opportunité. Même s'il y a eu du temps à être passé. Il y a un grand oui là, avec cet autre. J'ai une personne de mauvaise foi là, attention. Hein. J'ai quelqu'un qui manque de maturité, qui est arrogante. C'est peut-être la tierce, hein, qui est hypocrite, hein, qui est beaucoup dans le commérage, hein, qui aime bien les rivalités, nourrir les rancœurs aussi, j'entends. J'ai une personne qui aime bien nourrir les rancœurs. Hein. Alors, allons-y. Ah bah, je les garde. C'est pas grave. Oui. Et oui, cet autre, il vient vous donner son cœur. Il vient vous, voilà, vous formuler, hein, son amour. On a le 7 de coupe.
Il en rêve. J'ai envie de dire, il s'imagine. Il s'imagine hein, d'être avec vous là. Hein. Oh oui. On parle hein, de toute façon, on va réfléchir. Hein. On parle, comment dire, de pause. Il y a eu une pause, mais c'était comme ça en fait. On parle bien de pause dans votre relation. En fait, ce n'est qu'une pause en fait. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini entre vous. Et votre autre a pris le temps de beaucoup méditer, de beaucoup réfléchir. Hein. Il y a eu de la lenteur. Il y a eu beaucoup de temps. On vous dit qu'il est peut-être utile encore hein, d'être patient encore. Hein, parce que j'ai quelqu'un qui travaille peut-être également sur lui. Mais il revient hein, pour cet as de coupe avec vous. Hein. Et nous avons ce roi de bâton. Il va se décider, votre autre, à venir donner son cœur. Il angoisse, hein. Il a peur. Et pourtant, il vient vers vous parce que c'est son souhait, c'est son vœu. Il a le souhait de s'engager avec vous, votre autre. Hein. Vraiment. Il angoisse un petit peu. Peut-être à cause de la terre, ceci. Parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas vous dire la vérité. Regardez un petit peu plus loin. J'ai l'impression qu'il ne veut pas vous dire la vérité. Message. Ouais. Il a peut-être peur que la tierce vienne hein, vous dire des choses. Hein. Il se sent un petit peu prisonnier là. À cause de cette tierce. Il réfléchit peut-être aussi, est-ce que je dis toute la vérité ou pas? Eh bien, pour moi, ça serait libérateur pour votre autre de vous dire tout simplement la vérité s'il y a eu une autre personne. Repartir sur, voilà, sur une relation saine où on se dit la vérité et ça lui permettrait surtout hein, de se libérer de ce fardeau d'être dans le mensonge, en fait. Hein. De ne pas vouloir leur dire la vérité, mais d'avoir peur que cette tierce vienne vous dire la vérité. J'ai vraiment cette sensation. Il faut qu'il se libère de ce fardeau avec vous. Parce que pour moi, je pense que vous allez demander, vous allez accepter hein, les excuses de votre autre. Vous avez envie de cette histoire avec votre autre. Je m'illusionne. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Cette de coupe. Hein. On revient avec le cette de coupe. Je suis dans le déni. Pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Il ne verra plus que vous, hein. Et il dit bien, tu me manques, je ne suis pas prêt ou prête, hein, et je ne vais pas bien. Mais ces personnes ne se sentent pas prêtes ou prêtes à venir vers vous, là. Cette personne, elle vous dit de respecter son silence. Donc, je pense que ça veut dire que, voilà, si vous aviez envie de rentrer en communication, avec cette personne, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas à vous, en vrai, hein, de rentrer en communication. Ouais, vous voyez, il y a un non. Ne rentrez pas en communication avec cette personne, elle n'est pas prête, en fait. Ce n'est pas encore le bon moment. Et cette personne vous dit qu'elle a envie de vous faire l'amour. Elle a peur de vous perdre et elle est mal entourée, elle vous le dit bien. Alors, on va prendre un dernier. Ouais, peur de te perdre. Elle a peur de vous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Et je te surveille. Votre autre vous dit bien hein, qu'il vous surveille. Et je ne sais pas, il va sortir de ce silence. C'est lui qui va sortir hein, de son silence. Pour vous dire je suis amoureux ou amoureuse de toi. Donc très beau message là. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y, on termine les poissons.
Et nous avons Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Et nous avons Indriel qui vous dit, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc voilà pour vos messages, les poissons. Je vous souhaite une belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à cette chaîne. Donc bah, merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.